Genèse chapitre 2. Que tous les hommes ouvrent grandement les oreilles ce soir. Et les femmes également. Amen. Genèse chapitre 2, à partir du verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pison, celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Guion, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dis à ton voisin, la femme est semblable à l'homme. Alors dis bien encore bien pour que les machos entendent bien. On peut acclamer la parole de Dieu. C'est pas le frère Chora qui l'a dit, c'est la Bible. Et je sais que vous aimez la Bible. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dis à ton voisin, l'homme dépend de sa femme. Alléluia. Oh, yo man. Oh, c'est moi, l'homme. C'est moi le chef. Écoute-moi, frère. Tu étais seul. Seul, quand je t'ai créé. D'accord? Tu avais beaucoup de muscles. Une masse assez importante, une masse musculaire assez importante. Tu avais quatre fleuves pour toi tout seul. Et il y avait beaucoup d'or. Tu te rends compte, frère? Tu avais beaucoup d'or, hein? Donc tu étais riche. Quatre fleuves à toi tout seul, de l'or. Et si tu vas dans les significations de ces fleuves, c'est même pas la peine. Là, ça va encore plus. Voilà. En fait, Dieu t'avait enrichi. Dieu t'a créé plein, 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 avec plein de richesses. Tu étais bien. En plus, Dieu t'a donné l'autorité pour donner des noms aux animaux. Dans ce fleuve, il y avait beaucoup de poissons. Il y avait de tout. Et en plus de cela, Dieu a créé un jardin uniquement pour toi. Homme, frère, l'homme de Dieu. Un jardin où il y avait toutes sortes de fruits. Banane, orange, citron, avocat. Il y avait de tout. Et tu as passé beaucoup d'années pour donner des noms aux animaux. Mon frère, tu étais là et chaque couple se présentait devant toi. Du matin au soir, le couple de chiens est passé. Tu les as regardés. Tu as dit, celui-ci, c'est le chien. Celle-là, là, c'est la chienne. Le couple de chats est passé. Pareil. Les éléphants, tout.
Quand tu as fini de donner des noms aux animaux, aux oiseaux, tu t'es aperçu que il y avait à chaque fois une paire, un couple. Et par la suite, tu t'es aperçu que tu étais seul. Tu t'es rendu compte que malgré ta richesse, tu n'étais pas dans le vrai bonheur. Alléluia. Écoutez bien. L'homme, quelle que soit sa richesse, frère, s'il est seul, il va dans la dépression. Parce que l'argent ne parle pas, les fruits ne parlent pas. Et tu vas vouloir discuter avec le chien, parce qu'à l'époque, les animaux parlaient. Vous avez vu, le serpent, il a parlé. Les animaux parlaient comme les hommes. Mais quand Adam voulait parler avec le chien, à un moment donné, il disait, bon, écoute, là, je vais aller rejoindre ma chérie parce que... Voilà. Alléluia! Imaginez Adam en train de causer avec monsieur le chat. Et madame qui attendait son époux pour manger. Imaginez, je peux imaginer que les femelles ont commencé à se plaindre disant que non, Adam vous garde trop avec lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors mes amis, Dieu a regardé l'homme dans cet état de questionnement et Dieu dira, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc nous avons une belle information, une bonne information. On apprend que la femme est semblable à l'homme. Et on apprend aussi que la femme est une aide pour l'homme. Rappelez-vous bien que l'homme devait cultiver. Il devait garder le jardin d'Éden et le cultiver. Donc il avait un ministère. Mais sans l'aide de sa femme, l'homme n'aurait pas pu accomplir parfaitement sa mission. Et l'aide de la femme dans un ministère, ce n'est pas la cuisine. La femme n'est pas une poule pondeuse. Hein? Comme une poule qui fait des œufs. Et l'homme vient, il ramasse et puis il mange. Il ne demande même pas la permission à la poule si elle veut garder les enfants ou pas. Voilà. Si elle désire que ses œufs éclosent un jour. Non, hop. Dieu est bon. Ah, je sais que beaucoup d'hommes vont aimer ce message. Alléluia. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. C'est ça qui est magnifique. Il y a quelque chose qui est magnifique ici. Frère, pourquoi Dieu va-t-il endormir Adam avant de créer Ève? Répondez-moi. Non, à votre avis, pourquoi? Hein? Pour pas qu'il souffre. Hein? Ok. Ève devait être amenée à la vie. Vrai ou faux? Ève était déjà là. Mais elle était cachée. La femme, selon Dieu, est toujours cachée. Elle ne se montre pas. Et il y a un principe dans la Bible, un principe biblique que vous devez savoir, c'est que la mort précède la vie. D'accord? Sans la mort, il n'y a pas la vie. Il faut mourir avant d'avoir la vie. Donc l'homme doit mourir pour que la femme... n'est-ce pas, viennent à la vie. Un homme qui est vivant ne peut pas avoir une femme pleine de vie. Un homme qui est vivant, c'est-à-dire vivant selon le monde.
Je veux que les hommes comprennent ce message. Alléluia. Adam était préoccupé à s'occuper des animaux et donner des noms aux animaux. Vous avez vu le verset qui précède là? Adam donnait des noms aux animaux. Mais Dieu a dû certainement interrompre un peu ce travail. Parce que l'homme peut être tellement dans l'activisme qu'il oublie d'abord, oui, le Seigneur, c'est clair, mais la femme. Alors, vous savez, quand Dieu a créé Adam, il a créé en même temps Ève. Hein? Paul nous dit que l'homme a été créé le premier, c'est vrai. Mais quand il a créé Adam, Ève était déjà en lui. D'accord? Mais elle ne pouvait pas sortir sans la mort d'Adam. Et Dieu va l'endormir. Et la Bible dit, il prit une de ses côtes. J'aime toujours cette parole. Il n'a pas pris un os du pied pour que l'homme écrase la femme. Il n'a pas pris un os du pied. Il n'a pas pris non plus un os du dos pour que la femme soit toujours derrière. Mais il a pris une côte. Ça veut dire qu'il y a une collaboration. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Qui dit collaboration dit aussi qu'il faut écouter la femme. Hein? Tu veux garder ton jardin, tu veux le cultiver, mais tu ne veux pas collaborer avec ta femme. Il y a un problème. C'est pour cela que beaucoup de frères qui se sont mariés et qui sont encore là, wesh, 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 hein? Ces hommes-là, on va leur dire, finis la prédication, l'enseignement, la mission. Déjà, ça s'est réglé déjà depuis. Maintenant, là, vous allez vous asseoir et recevoir la formation. L'enseignement sur la famille. Parce que le premier ministère, frère, c'est la maison. Dis à ton voisin, c'est à la maison. Beaucoup de jeunes veulent le ministère. Là. Ah non, je veux l'onction du frère Chora. Je veux aller à la mission. Frère, vous avez vu depuis quelques mois, je ne parle plus à la mission. Vous n'avez pas fait attention. C'est fini tout ça. Là. Parce qu'on comprend les choses autrement. Et je vous assure que ce soir, Dieu va nous faire du bien. Parce que je priais chez moi tout à l'heure, le Seigneur me dit, parle de ces choses-là. Waouh! Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel nous dit la parole. Forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Waouh! Alléluia! Est-ce que quelqu'un comprend ici ce que Dieu dit? Alors, je me suis rendu compte que il y a deux verbes qui ont été utilisés pour parler de la formation de l'homme et de la femme. C'est pas le même verbe. Là où il est écrit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, c'est un verbe bien précis, c'est Yatsar. Et là où il est dit, ici, là, que Dieu, avec la côte, forme la femme, c'est aussi un autre verbe, Bana. C'est-à-dire, c'est pas la même chose. Et nous allons voir la différence qu'il y a entre les deux. Et c'est là, justement, le fond de notre enseignement de ce soir. Dieu n'a pas formé les deux de la même manière. L'homme et la femme. Parlons d'abord de la femme. L'Éternel forma l'homme, forma la femme, à partir de la côte de l'homme. Genèse 4, 17. Quelqu'un qui a le micro va toujours nous lire cela. Nous allons lire des versets que je donnerai à chaque fois, parce qu'on va beaucoup lire. Alors, Genèse 4, verset 17. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch.
Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Non, c'est bon. Vous avez vu? Le premier verbe qu'on va utiliser pour parler de la formation de la femme, c'est Bana. Et Bana nous parle, n'est-ce pas, de la construction d'une maison. Et on retrouve ce mot-là dans Genèse 4, 17, où il est dit que Caïn bâtit une ville, n'est-ce pas? Bâtir à partir de la fondation. Voilà ce que ce verbe veut nous dire. Bâtir à partir de la fondation. Oui. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fondation de la femme, c'est l'homme. Bah oui, mes amis. Il y a Jésus, bien sûr. Mais écoute, Paul nous dit dans Éphésiens 5, 32, qu'il a fait une analogie, une comparaison entre la relation qu'il y a entre l'Église et Christ, et entre l'Église et Christ et l'homme et la femme, vrai ou faux? Bon, qui est le fondement de l'Église? Le fondement de l'Église, c'est qui? Tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon Église. Tu es Pierre et sur ce roc, Petra, Yéhoshua. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ, 1 Corinthiens 3, 11. Christ est le fondement de l'épouse. Donc, l'homme est le fondement de la femme. Donc, une femme qui ne comprend pas que son fondement, c'est son chef, c'est l'homme, cette femme sera Jézabel. Avant de bâtir une femme, avant de former une femme, Dieu a d'abord posé la fondation, l'homme. Dans 1 Corinthiens 7, Paul dit que l'homme a été créé le premier. Maintenant, dans Psaume 11, 3, la Bible dit, si le fondement s'ébranle, le juste que fera-t-il? Vous savez pourquoi nos sociétés sont si malades? C'est parce que les hommes, beaucoup d'hommes ne sont plus des hommes. Parce qu'un homme digne de ce nom ne peut pas tromper sa femme. Un homme digne de ce nom, frère, ne peut pas lever la main sur une femme. Un homme digne de ce nom, frère, s'occupe de l'éducation de ses enfants. Un homme digne de ce nom trouve du travail pour nourrir sa famille. Il n'est pas là pour dire, moi je suis à plein temps dans l'œuvre, et en même temps il galère, il demande l'argent à gauche, à droite. Ça, ce n'est pas un homme. Celui-là, c'est un futur voleur. Quelqu'un m'entend-tu ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quand un homme n'est plus digne de ce nom-là, digne d'un chef, quand le fondement est ébranlé, eh bien la femme également va complètement partir dans tout le sens. Ben oui. Parce que c'est l'homme qui donne l'équilibre à la femme. Et inversement, on va voir cela. Je parle à quelqu'un ce soir là. On a besoin de ces enseignements. La famille selon Dieu. Un homme digne de ce nom ne peut pas aller voir une femme pour dire Dieu m'a dit c'est toi ma femme. Non. Il ne va pas aller prendre Dieu en otage et prendre une sœur en otage. Non. Parce que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. On ne sait plus comment parler aux femmes. Maintenant, on prend Dieu en otage, on prend la parole en otage. Dieu m'a dit, c'est toi. Du coup, la femme ne peut plus dire non, parce que qui oserait dire non au Seigneur? Hein? Dis à ton voisin, ce soir, il va y avoir de la délivrance. Alléluia! Est-ce que vous avez vu Adam dire à Ève, Dieu m'a dit, c'est toi ma femme? Non, je n'ai pas entendu. Frère, le message que tu m'as donné, c'est le retour à la source, n'est-ce pas? Le retour à la source, le retour à la parole. Et le retour à la parole, c'est le retour à la Genèse. Bereshit, le commencement de toutes choses. Caïn bâtit une ville. Et pour bâtir une ville, il faut la fondation. Nous sommes également dans, mes amis, oh Dieu magnifique,
Ce soir, je sens déjà comment Dieu est en train de façonner les cœurs. Nous sommes dans Psaume 127, verset 1er. Psaume 127, verset 1er. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ok, si... t'arrêtes là, merci. D'accord. Si Dieu ne bâtit une maison, alors vous savez, le verbe formal ici, bana, qu'on a utilisé pour la femme, parle vraiment de la construction d'une maison. En fait, la femme est considérée comme une maison. Dis à ton voisin, maison. Ok. Bon, dis-moi maintenant, qui est l'architecte par excellence d'après la Bible? Dieu. Ok. Maintenant, mon frère, écoute-moi s'il te plaît. Si Dieu ne bâtit pas ta femme, si Dieu ne bâtit pas une femme, si tu l'épouses, tu épouses une carie. Des caries, tu épouses des soucis, des problèmes, et tu vas être traumatisé à vie. Non, j'ai pas entendu, frère. Dieu est bon. En Saint-Pierre, est-ce que les témoins que je vois à côté ce soir? Ok, parce qu'il fait chaud là. Waouh. Vous avez chaud? On peut ouvrir même un tout petit peu quand même, non? Ok. Ok, on va vous donner à boire rapidement. Quelqu'un ici s'assoit, frère? Dieu est bon. On peut continuer, c'est bon? Si l'Éternel, disons à haute voix, si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent. Bon, on va dire ceci. À la place de maison, vous dites la femme. 1, 2, 3. En vain, dis à ton voisin, en vain. Tu veux épouser une femme, si tu épouses une femme. Si tu n'épouses que la beauté de la femme, t'es cuit. Alléluia. Dieu doit d'abord construire la femme. Une femme, ce n'est pas que des beaux yeux. Une femme, ce n'est pas que le corps physique. Une femme, c'est d'abord une construction. Une habitation, une maison. Bon, écoutez bien. L'église est-elle le corps de Christ ou pas? L'église est-elle l'habitation de Dieu en esprit ou pas? Ephésiens, c'est écrit ça. Oui, c'est écrit. Vous comprenez? Écoutez, posez-moi la question, frère Chora. Non, frère Chora. Prouve-nous que la femme est une habitation. Non, je n'ai pas entendu. Ok. Qui conçoit? Qui porte l'enfant? Pendant combien de temps? Avez-vous déjà entendu un homme porter un enfant? Donc la femme est une habitation. On acclame le Seigneur. Connaîtrez la vérité. Ok. Vous voulez épouser une femme? Est-ce que vous savez qui est la femme? Hein? Toi, mon frère, toi qui a épousé cette soeur, est-ce que tu sais qui est la femme? Si tu connais pas une femme, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Tu veux te fiancer, mais tu ne sais même pas qui est la femme. Et encore moins qui est l'homme. Alors beaucoup vont se marier parce qu'ils ont des pulsions sexuelles, excusez-moi. Et au bout de quelques mois, de quelques années, c'est le divorce.
Si Dieu ne bâtit la femme, celui qui cherche à la bâtir va travailler en vain. Tu vas te fatiguer. La femme va te fatiguer. Bon, écoutez bien. Écoutez bien. Est-ce que vous êtes en train de suivre l'enseignement ce soir? Est-ce que vous êtes attentif? Ne laissez personne vous perturber. Satan n'aime pas ce message. Bon, dites-moi frère, pendant que Dieu construisait Ève, Adam était où? Non, j'ai pas entendu. Il était endormi, n'est-ce pas? Tiens, ton voisin, il était endormi. Donc, Adam ne voyait pas. D'accord? Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que Ève ne rencontre Adam, elle avait d'abord rencontré Dieu. Assure-toi que la femme que tu vas épouser a d'abord rencontré Jésus. Parce que si elle a rencontré un certain Jacques, Georges, t'es cuit. Non, tu n'as pas compris. Alléluia! Si elle a d'abord rencontré Acab, t'es cuit. Ève a d'abord connu la relation avec le Père. Merci pour les hommes qui sont dignes de ce nom. Avec l'enseignement de ce soir, on ne peut être que galant. Non, vous avez vu Jésus, l'homme le plus galant. Vous avez vu Jésus? On va parler de tout ça, frère. Jésus a dit aux apôtres dans Jean 6, après avoir nourri les gens, il a dit aux apôtres, allez, précédez-moi. C'est moi qui veux renvoyer la foule. Quelle galanterie. Jésus, quand Pierre et Jacques, tout ça là, est en train de pêcher, toute la nuit sans avoir, hein, ils ont pêché toute la nuit, toute une nuit, sans avoir attrapé, n'est-ce pas, pêcher le poisson, ne serait-ce qu'un poisson, le Seigneur arrive, n'est-ce pas, non seulement qu'ils vont pêcher, mais ensuite, quand ils sortent de ce lac, ils trouvent déjà du poisson qui était là braisé bien comme il faut. Quel est cet homme-là qui peut faire à manger pour sa femme, pour sa famille ici? Où il est toujours là, ministère. Moi, Dieu m'a parlé. Oh là 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 là. Frère, aujourd'hui, c'est la délivrance des hommes. Aujourd'hui, c'est la délivrance des femmes. De la famille, au nom de Jésus. Alléluia! Alors, Ève a d'abord rencontré le Seigneur. Dieu l'a façonnée, Dieu l'a construite, Dieu l'a travaillée en posant correctement la fondation. Frère, je veux donner des conseils gratuits. Vous voulez vous marier? Assure-toi, mon frère, que cette femme a un bon fondement. Tu veux te marier, mon frère? Assure-toi que cette sœur ne t'arrête pas que sur son apparence physique. Tu risques d'avoir des surprises. Combien de gens ne sont-ils pas venus me voir, des frères, pour dire, ah frère, pasteur, prie pour moi parce que je viens de me marier, mais je me rends compte que la femme, là, la nuit, elle se transforme en poisson, en serpent. Ah oui. Le fondement. On va prendre un autre passage dans Genèse chapitre 8, verset 20. Genèse 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Noé bâtit un autel à l'Éternel. C'est le même verbe qui revient, bana. La construction de l'autel. Voilà. Il faut une fondation. Il faut un fondement solide. Et dans le cadre de la femme, selon Dieu, son fondement, c'est Christ. Son fondement, c'est la parole. Une femme qui n'a pas pour fondement la parole de Dieu est une femme qui va te causer d'ennuis, beaucoup d'ennuis dans le couple, parce qu'elle va régler ses affaires selon ses émotions et non selon la parole de Dieu.
elle va réagir et agir en fonction de sa sensibilité féminine. Et là, c'est le problème. Parce que la femme est plus sensible que l'homme. Et si elle n'est pas basée sur la parole, frère, alléluia. Je connais les frères, hein? Ils sont mariés au bout de, c'est au bout de même pas un an, ils sont déjà aigris. Tu le sens, tu vois que ça va pas là. Et frère, imaginez maintenant, si tu as 25 ans, donc ça veut dire que pendant 55 ans, tu vas devoir, n'est-ce pas, vivre ce calvaire. Hein? Alléluia. Ok. Bon, une femme qui a un bon fondement est une femme qui développe sa relation avec Dieu comme Ève. Ève était d'abord avec le Seigneur. Une femme qui a un bon fondement, Christ, la parole, ne va pas aller faire la cour aux hommes. Quand Dieu m'a dit, c'est toi mon mari. Ah bon? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Une sœur est venue me voir. T'inquiète pas, je ne vais pas te dire ton nom. Comme d'habitude. Hein? Voilà. Parce qu'il y en a qui vont dire, non, il ne faut rien lui confier, sinon, non, c'est pas quand même. Il y a des secrets que nous gardons. Elle dit, non, j'ai eu un songe où Dieu, dans lequel Dieu me parlait de cet homme comme étant mon mari. Alors, je fais comment? Je lui ai dit, attention. Reste en prière. Je sentais un feu en elle. Je lui ai dit, j'ai vu une femme, quand elle a ce feu-là, frère, étant donné que la femme est un être sensible, hein, un vase fragile, comme la parole le dit, un sexe faible, dans 1 Pierre 2, si ses émotions ne sont pas maîtrisées, elle peut faire des dégâts. Parce qu'elle peut commencer à jalouser toutes les personnes qui vont approcher le frère. Hein? Et là, ce n'est plus la prophétesse qui va parler là. Là, vous allez voir la vraie nature de Ève. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien sûr, je parle à quelqu'un. Elle dit, frère, je fais quand je lui baisse la prière. Si Dieu a commencé une œuvre, il va l'achever. Tu comprends? Elle dit, mais le frère en question, il ne me voit même pas. Je dis, mais il n'est pas. Ce n'est pas une question de voir ou pas. Le frère n'est pas au courant. N'était pas là pour dire non, Adam, il est où Adam? Oh, je cherche Adam, s'il te plaît, Adam, Dieu m'a dit, c'est toi, frère, ma soeur. Mais c'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, si Dieu a dit que l'homme ne doit pas être seul, donc forcément, la femme ne peut pas être seule. Mais si on n'a pas vu Ève dire à Dieu, tu as dit. Non. Le fondement. Proverbe chapitre 9. Verset 1er. Je sais que quand la femme commence à dépasser 25 ans, et si elle est célibataire, là, en général, c'est la dépression qui guette. Hein? En général, je ne dis pas que c'est tout le temps. En général. Quelqu'un peut nous le lire? Proverbe 9, verset 1er. Proverbe 9, verset 1er. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. 14.1. Proverbe 14.1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. On nous parle de 7 colonnes. Les 7 colonnes que la femme doit avoir, doit poser pour que la maison qu'elle est résiste, tienne.
sept colonnes. Dis à ton voisin sept colonnes. Aha. Écoutez bien les sœurs, on a commencé par vous. Et on nous dit que, on va parler de ces sept colonnes. On nous dit que la femme sage bâtit sa maison. Vous comprenez? Ça c'est une des colonnes, la sagesse. Une des colonnes. Mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Vous croyez que le mariage, c'est pas un contrat à durée déterminée, frère? Non. Le mariage engage ta vie. Et si tu l'as raté, tu vas être condamné à vie. Tu vas être malheureux, malheureuse. Les sept colonnes. Ésaïe. Chapitre 11. Le citer là. Ouais, Ésaïe 11, verset 1er. Ésaïe 11, verset 1er. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejetant naîtra de ses racines. Continue. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. D'accord, on recommence sur les sept colonnes, s'il te plaît. D'abord, l'esprit de l'Éternel. Deuxièmement, il y a quoi? L'esprit de sagesse. Trois, intelligence. Intelligence. Après? Conseil. Doucement. Quatre. De force. Cinq. Connaissance. Six. Crainte de l'Éternel. Sept. Ah, ça fait sept. Il y a l'esprit de l'Éternel, hein. Il y a la sagesse. Intelligence. Ouais. Connaissance. Conseil. Ouais. Force. Ouais. Connaissance. Et la crainte. Crainte. Ah ouais, sept, ouais. Merci. Écoutez bien, frères, mes sœurs, écoutez bien, s'il vous plaît. Que doit faire une femme qui veut être une vraie habitation de Dieu en esprit, comme l'Église l'est pour Christ? L'Église est le corps de Christ. L'Église abrite le Seigneur, l'Esprit de Dieu. Et l'Église, c'est la femme. La femme, c'est l'Église. D'accord? Et il faut, comme Proverbe le dit, que la femme sage bâtit sa maison avec sept colonnes. Et d'abord, la première colonne, c'est l'Esprit de Dieu. Tu ne peux rien faire, ma soeur, sans le Saint-Esprit. Ça, il faut le savoir. Donc, tu dois avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Donc, tu dois être une femme spirituelle. Tu ne dois pas marcher selon les émotions. Ève n'a pas écouté l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi elle a échoué. Elle a fait échouer son mari, son chef. Ça, c'est la première colonne. Le Seigneur a dit, sans mon esprit, vous ne pouvez rien faire. D'accord? Mes frères, cherchez à épouser les femmes qui marchent par l'esprit. Les femmes qui sont dans l'esprit. Les femmes qui sont spirituelles. Comment savoir qu'une femme est la femme de Dieu? Comment savoir que la femme que tu veux épouser est la bonne? Eh bien, Dieu te donne ce soir les informations, les indices. Il te donne, mes amis, des signes. Une femme dont le langage est spirituel. La deuxième colonne. La sagesse. Oh oui.
la sagesse. Et vous verrez que ces sept colonnes nous parlent d'une seule personne, Yeshua. D'accord ? Proverbe 8 nous dit, nous parle de la sagesse de Dieu, qui est Yeshua, qui était là dès le commencement. Une femme sage est une femme qui parle moins. Il y a un grand silence. Alléluia. La sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Pour que, vous savez, quand Dieu pose la question à Salomon, que veux-tu que je te donne? Demande-moi tout ce que tu veux. Salomon a demandé quoi? La sagesse. Et méditez ce soir, mes sœurs, Proverbe chapitre 8. La troisième colonne, l'intelligence. Proverbe 24 nous dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. L'intelligence, frère, ce n'est pas l'intellectualisme. Non. L'intelligence vient de Dieu. D'accord? Vous avez des enfants qui naissent, qui sont intelligents, alors qu'ils n'ont jamais été à l'école, mais ils sont intelligents. Voyez? C'est Dieu qui donne l'intelligence. Et l'ange Gabriel dira à Daniel, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. C'est Dieu qui la donne. Et Dieu dit dans Exode 31 qu'il avait donné à Bezaleel l'intelligence, de l'intelligence. Mes amis, oh, il nous faut des femmes intelligentes. Je vous assure, frère, on en a besoin. Si vous n'épousez que la beauté, vous êtes cuit. Adam, tu es là? Alléluia! La quatrième colonne, c'est quoi? Le conseil. Je lui ferai une aide. Mais en quoi consiste aussi cette aide? Les conseils. C'est pour cela qu'un homme qui veut aller de l'avant, il doit beaucoup aussi écouter les conseils de sa femme, qui est intelligente. Mais quand ta femme te dit, ah mon chéri, fais attention parce que je vois la fille qui tourne autour de toi, là, elle est dangereuse. Si l'homme dit, oh toi aussi, et quand tu vas tomber, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Oh non, t'es trop jalouse, toi aussi, toi aussi. Il y a des hommes comme ça, là, quand leur femme leur donne des conseils, fais attention quand même chérie, tout ça. Là. Mes amis, les hommes sont où là? Levez les mains un peu s'il vous plaît. Et les pasteurs, ils sont où? Alléluia! Les missionnaires! Non, je n'ai pas vu vos mains. Hein. Merci Seigneur. J'ai l'impression que les femmes pleurent ce soir. On dirait que Dieu nous tue ce soir. Hein? Chacun son tour. Merci Seigneur. On peut acclamer le Seigneur alors. Comment appelle-t-on le Seigneur? On l'appellera admirable. Ah, vous voyez que ce sont des, mes amis, des attributs de Yeshua. D'accord? Le conseil. Une femme, selon Dieu, donne des bons conseils. Elle n'est pas là pour diviser, pour mettre le feu. Quand son mari commence à trop à demander l'argent aux frères et sœurs, si son mari est pasteur, la femme conseillère dira, chérie, attention. C'est elle qui doit freiner son époux dans son délire, dans sa démence. Mais elle ne va pas dire, chérie, j'ai besoin de bijoux. Alors, elle passe un coup de fil au couple un tel, comme ça on va avoir l'argent des bijoux. Ah! Ève,
Où sont les hommes qui veulent réussir leur ministère? Ah. Le choix de l'épouse que vous allez faire déterminera votre réussite ou pas. Ah. Il y en a beaucoup à qui j'ai donné des conseils hier, à le passé, en disant, je ne sens pas cette affaire. Oh, mais oh, ah, 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 ok. Et après, plus de ministère, plus rien. Et aux oubliettes, le conseil. Une femme remplie de l'esprit, comme Ève, avant la chute, est une femme, quand tu as un problème, elle va chercher Dieu dans la prière, elle va chercher dans la Bible pour donner des bons conseils, n'est-ce pas, à son époux. Et une autre forteresse, comment dire, colonne, c'est quoi? La force. Dis à ton voisin, l'onction. Non, il n'a pas entendu. La force ici, c'est l'onction. Ah oui. C'est l'équipement. Il nous faut des femmes ointes. L'onction te donne les capacités, comme vous le savez, pour pouvoir travailler. Et une autre forteresse, comment dire, forteresse, colonne, pardon, une autre colonne, la connaissance. La connaissance. La connaissance. 1 Timothée 2,5 nous dit, 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de son fils. Yeshua. Et dans 2 Pierre 1, 3, il est dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et à la vertu la connaissance. Une femme, selon Dieu, qui veut être une véritable habitation de son mari, de ses enfants, doit connaître la parole de Dieu. Mais une femme qui passe son temps à soigner ses ongles, hein? À faire des tresses matin, midi, soir. Une femme narcissique qui passe son temps à se regarder dans une glace. Ah là, je suis belle. Ah là, j'ai mis du fond de teint. Ah là, j'ai mis ceci. Et qui ne plonge pas son regard dans le vrai miroir, selon 1 Pierre, selon Jacques 1. C'est-à-dire la parole de Dieu. Es-tu une femme, mon ami? Après le mariage, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Et après, c'est nous qui sommes embêtés. Parce que vous nous contactez pour nous dire, non, là, la maison, ça chauffe. Mais qui t'a dit d'aller tout de suite? Hein? Dans cette affaire-là. Les sœurs, elles sont calmes ce soir. Et la dernière colonne, la crainte de l'Éternel. Amen. C'est quoi la crainte de Dieu? Proverbe 8:13, on dit que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Une femme qui craint Dieu est une femme frère qui ne va pas accepter la corruption dans son foyer, dans son cœur. Jamais. Une femme qui craint Dieu n'est pas une femme qui va avoir mille copains hommes. Parlant jusqu'à tard le soir avec Jacques, avec Jean, avec toi qui veux te marier, tu as déjà des copains partout comme ça. Il faut régler tout ça. Dis à ta copine, à ta soeur, il faut régler ce problème. Alléluia! Ben oui, la crainte de Dieu. Ah non, mais moi, c'est pas. Moi, c'est ma vie, c'est ta vie. Écoute, comme c'est ta vie, eh bien, va te marier comme ça. Tu vas voir au bout de 5 ans. Même pas. Nous avons une seule culture, c'est la culture biblique. C'est la culture du royaume. La culture du royaume est au-dessus de toutes nos cultures, frères. Alléluia. Voilà. Antillaise ou pas, africaine ou pas, guadeloupéenne ou pas, martiniquaise ou pas, togolaise ou pas, congolaise ou pas, asiatique ou pas, métisse ou pas, brazzavilloise ou pas, peu importe ton origine, si tu veux avoir le bonheur dans le mariage, si tu veux un vrai Adam, tu dois te conformer à la culture du royaume de Dieu. Oh, moi, dans ma culture, c'est pas comme ça. Eh bien, si tu es dans une culture humaine, tu vas échouer. Hein?
Alors il y a des femmes qui ont fait plusieurs mélanges. Ils ont pris de la culture antillaise d'un côté, la culture française de la métropole de l'autre. Ils ont pris de la culture africaine noire. Un mélange qui a produit tellement de dégâts dans leur comportement que les hommes, après le mariage, hein, les hommes vont manger ailleurs pour être tranquilles. Le frère, il finit le travail à 18h, mais il va rentrer à 23h. Il va même mentir pour dire, ma chérie, j'ai eu quand même des heures supplémentaires. Parce que quand l'homme arrive à la maison, la femme dit, oulolololololololol. Alléluia! Écoutez bien, mes soeurs, il y a des femmes d'origine africaine. Quand elles étaient en Afrique, elles étaient soumises. Quand une fois qu'elles sont arrivées ici, frère, quand le frère parle, je vais appeler la police. Ma soeur, à Kinshasa là-bas, tu es là pour lesquelles police? Hein? La police n'a même pas le numéro de téléphone. Dis à ta voix, à ton voisin, Ève, réveille-toi. France, mes amis, tremble. Il y a le 17 qu'on peut appeler. Il y a une assistance sociale qu'on peut appeler. Il y a le service de l'enfance qu'on peut appeler. Donc du coup, les hommes sont là. Et ils deviennent des omelettes, des efféminés. Ils perdent l'autorité. Donc du coup, ben... Vous rigolez, hein? Laissez-moi nous parler bien comme il faut, frère. Le temps des hommes viendra aussi. Tout à l'heure, vous inquiétez pas. Quand une femme commence à travailler, à gagner plus que son mari, chérie, est-ce que tu peux me faire à manger? Ah, j'ai pas le temps. Oh, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, je suis fatigué. C'est vrai, elle peut être fatiguée. Mais, vous voulez que je continue ou que j'arrête? Il faut le dire, sinon j'arrête. Je ne vais pas vous forcer à écouter ces choses. Ève, nous voyons des femmes, des jeunes filles aujourd'hui, à 15 ans, elles se comportent comme des hommes. 16 ans, dans les cités, ce sont des hommes. Ça s'habille comme des hommes, ça parle comme des hommes, ça marche comme des hommes. Quand vous êtes derrière elle, vous vous dites, c'est un homme ou comment là, tout ça. Une femme comme ça, frère, qui va se marier, mais c'est fini. Ça ne va pas aller loin. Ça va être la bagarre tout le temps avec l'homme. Combien de frères ne sont-ils pas dehors aujourd'hui? Les femmes ont d'aller dehors. Et la police qui vient, qui dit, bah, monsieur, prenez vos affaires et puis dehors. Et le dimanche à l'assemblée, alléluia, 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 la maman prophétesse. Bon, on va lire un dernier passage pour les femmes. La Bible dit, Dieu prend une côte de l'homme, n'est-ce pas? Côte, on connaît. Côte, c'est celle-là en hébreu. Celle-là qui donne en français poutre. Donc la femme est une poutre. Pour soutenir le toit. La poutre est une pièce fondamentale. Sans la poutre, le toit s'envole. Ah oui.
La femme est comme la ceinture de son homme. Oui, je vous le dis, frère. Une femme, selon Dieu, est une véritable ceinture. Son homme ne peut pas s'envoler. Parce qu'elle le tient par son caractère, mes amis, par le caractère de Christ. Mais une femme qui n'est pas une poutre, elle sera une carie, comme le proverbe le dit. Et là, l'homme va tout le temps s'envoler. Tout le temps être dehors. Mes soeurs, est-ce que vous êtes là? 1 Pierre chapitre 2. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. La conduite, ma soeur, écoute-moi ce soir. Par ta conduite, tu peux gagner ton mari. Si tu n'arrives pas à le gagner par la parole, par la prière, la Bible te donne une autre solution. Ta conduite, dis à ton voisin, ma conduite. Où sont les femmes qui ont un problème avec la conduite? N'ayez pas honte, levez la main. Dieu va vous aider. La colère. Tout ça là. Voilà. Levez la main, s'il vous plaît. Dieu vous connaît. Il va vous délivrer ce soir au nom de Yeshua. Merci Seigneur. Pour votre humilité. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Chaste et respectueuse. Ma soeur, écoute-moi. Le monde t'enseigne à mettre ton corps en valeur par des vêtements, par une tenue légère. Non, une femme qui se respecte doit s'habiller décemment. Chaleur ou pas. Vous savez, quand je pars dans les pays chauds, là, comme dans les îles, là, frère, quand je pars en Martinique, je ne veux pas faire des courses. Hein. Les grandes surfaces, là, j'envoie des sœurs qui nous aident. Parce que, frère, ou au Gabon, au bord de la mer, là, tu peux pas. Tu vois des chrétiennes, frère. Mes amis, il y a un problème, mes amis, là. Je me rappelle à l'époque, quand on vient de commencer une église en Martinique, mes frères, on avait acheté des paniers, des pannes, pardon, pour panner les sœurs. Et on en était arrivé même à panner les hommes. Alléluia! Oui, il y avait un frère, à chaque fois, on lui donnait la panne. Parce que c'était... Et quand tu parles avec les gens, non, mais il fait chaud, frère, attention! Conduite. Ne le fais pas seulement à l'assemblée, même dehors. Quand les païens vous regardent, il faut qu'ils se disent, mais tu es belle, mais t'es bien habillée. Ben c'est quoi? Tu vas leur dire, mais je suis la fille de Sarah. Vous savez, il y a des hommes qui sont faibles ici. Hein? Faut pas croire. Hein? Ils peuvent parler en langue, mais ils sont faibles. Alléluia. Ne vous fiez pas au parler en langue. Le rabarabaraba, on a vu les gens là-bas, chaque partout. Le lendemain, on apprend que ça a tombé. Maintenant, on n'est plus impressionné par tout ça. Là. C'est pour cela qu'il faut la sagesse. Amen. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle, dis à ta voisine, tu es descendante de Sarah. C'est d'elle en faisant, donc c'est d'elle que vous êtes devenues les filles. En faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. C'est fort, hein? Donc, ça veut dire quoi? Ma soeur, ta référence selon la Bible, c'est Sarah. Waouh! Sarah!
Sarah, dont le nom signifie princesse. Donc, la femme, selon Dieu, est une princesse. Tu te rends compte? Dis à ta voisine, je suis une princesse. Alléluia! Est-ce qu'une princesse peut-elle donner son corps à n'importe qui? Ben non. Non. Quel honneur que la Bible vous fait, les femmes. Waouh! Sarah. Alors, frères, sœurs, Sarah reconnaissait qu'Abraham était son Seigneur. C'est fort, hein? Ma sœur, si tu veux être bénie, tu dois reconnaître que ton époux est ton Seigneur. C'est ton chef. C'est l'ordre que Dieu a établi. Mets de côté ton éducation. Mets de côté ta culture. Suis la parole et tu seras béni. Alléluia! Dieu n'est pas français. On l'a souvent oublié. Hein? Dieu n'est pas européen. Dieu est esprit. Il n'est pas non plus africain. Ok. La femme, selon Dieu, selon Cantique de Cantique, est une fleur. Dis à ta voisine, je suis une fleur. Non, elle n'a pas entendu. Le narcisse de Saron, c'est-à-dire la fleur de rose, et une fleur doit être arrosé, n'est-ce pas? Soigné. Et c'est l'homme qui doit arroser la fleur. Non, les femmes n'ont pas compris. Elles sont tellement secouées que... Amen. Waouh, tu te rends compte, tu es une fleur. Quelle parole. Maintenant, l'homme. Il y en a qui devaient se dire, ça y est, il nous a oubliés. C'est mieux. Seigneur, aide-le, pas qu'il parle d'homme. Qu'il ne parle surtout pas des hommes. Genèse. Chapitre 2. Verset 7. Quelqu'un peut le lire? Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Waouh! L'Éternel forma l'homme. Là, le verbe former ici, ce n'est pas bana, mais c'est former ici, c'est façonner, hein, par la pression. Nous sommes dans Genèse psaume chapitre 2, s'il te plaît. Quelqu'un peut nous le lire? Psaume chapitre 2, le verset 9. Psaume chapitre 2, verset 9. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les mettras en pièces comme un vase de potier. Et ce mot-là, Yatsar, a été traduit également par potier. Alors là, ça devient intéressant par rapport aux hommes. Par rapport à la femme, Dieu ne s'était pas révélé à elle comme un potier, mais comme un bâtisseur, comme un constructeur. Mais quant à l'homme, c'était le potier. Pourquoi? Posez-moi la question, pourquoi? Parce que la femme est une cote. Mais l'homme est sorti de la poussière. Et la femme est sortie de la côte. C'est la côte. Vous comprenez? Donc Dieu n'a pas procédé de la même manière. Maintenant, la formation de l'homme, car l'homme est le fondement. Alors là, la formation de l'homme est beaucoup plus terrible encore. Oh oui, les hommes, écoutez bien, ouvrez les oreilles. Là, je crois, beaucoup vont, ils vont demander la délivrance. Le potier. Dis à ton voisin, le potier. Nous sommes dans Ésaïe 29. Verset 18, verset 16. Et vous notez Ésaïe 29, 16, Ésaïe 41, 25. Ésaïe 29,
Verset 16. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait. Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Regarde 1:29. Voilà, ils ne sont tous que vanité, leurs ouvrages ne sont que néant et leur idole de fonte qu'un vain souffle. Ésaïe 44:12. Et 45:9. Ésaïe 44, verset 12. Le forgeron fait une hache, il travaille avec le charbon et il l'a façonné à coups de marteau. Façonné, c'est Yatsar, à coups de marteau. Dis à ton voisin, marteau. Marteau. Ah, ah, ah. L'homme, écoute bien. La forme que tu veux, ce n'est pas celle que Dieu va te donner. Dieu, c'est lui qui va donner la forme qu'il veut. Mais pour avoir la forme de l'homme idéal, Dieu va prendre un marteau. Et dans Jérémie 23, Dieu dit, ma parole n'est-elle pas comme un marteau? C'est un homme qui vient au Seigneur comme ça, il est tellement cabossé par le péché, il a tellement de cocards partout, hein? Et Dieu quand tu le prends, ma soeur, écoute bien, quelle que soit la beauté d'un homme, quelle que soit sa beauté, sa taille, s'il n'est pas, mes amis, ma soeur, façonné par Dieu, avec le marteau spirituel, ne l'épouse pas. Parce qu'il va constamment te tromper, il va lever tout le temps la main sur toi, il va tout le temps te mentir et tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Et si tu as des enfants, ton corps va changer et là, il va te regarder avec des yeux. Wow. C'est pour cela que l'homme, contrairement à la femme, est formé différemment. Il faut le marteau. Alléluia! Vous avez déjà vu des femmes qui vont dire à leur mari, chérie, je veux être polyandre. Hein? Je veux qu'on pratique la polyandrie, c'est-à-dire avoir plusieurs maris. Mais en général, les hommes, la polygamie, ils proposent cela à leurs femmes. Hein? Oh chérie, écoute, l'homme peut aimer, ça c'est bizarre, hein? L'homme, frère, peut aimer 5-10 femmes en même temps. Salomon en a aimé 700 femmes officiellement et 300 autres. Il a en tout aimé 1000 femmes. C'est écrit. Bon, donnez-moi un seul verset de la Bible où vous avez vu une femme aimer 1000 maris. Dis à ta voisine, ça n'existe pas. Non, ta voisine n'a pas entendu. Voilà. Donc, vous comprenez? Dis à ta voisine, tu as ton voisin, nous ne sommes pas pareils. C'est pour cela que si, ma soeur, tu épouses un homme que Dieu n'a pas transformé, là, tu vas faire semblant que tout va bien, mais au fond de toi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu forme l'homme de la poussière de la... Vous savez, il y a au moins 6 techniques, hein, de façonnage. 6 techniques au moins que les potiers utilisent pour pouvoir façonner un vase. La première technique, c'est quoi? C'est le mélange. Dis à ton voisin, le mélange de l'argile. Ah ah. Donc, Dieu prend l'homme. L'homme qu'il veut utiliser, Dieu le prend. Il le mélange, ça veut dire que tu deviens comme embrouillé, il t'embrouille. Alléluia! Amen. Non, tu n'as pas entendu. Tiens, ta voisine, le mélange. Est-ce que ton fiancé est-il mélangé par Dieu? Le mélange, là, c'est avec de l'argile, n'est-ce pas? C'est avec un produit qu'on appelle marne. Donc il y a un mélange de plusieurs produits chimiques. Le mélange, le mélange, le mélange, le mélange. Et c'est ce que Dieu fait. En tant que potier,
quand un homme se convertit, il n'est pas tout de suite prêt pour le mariage, non. Dieu doit le mélanger. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, frère, le produit, la pâte ainsi obtenue, doit pourrir. La pâte, l'argile ainsi mélangée, et laissée quelque part pendant des mois et des mois, afin qu'elle pourrisse. Dis à ton voisin, le pourrissement, il faut que ça pourrisse. Alléluia! La pourriture, le frère, tu... Alléluia! Écoute-moi, écoute bien. Vous avez compris dans Jean 11, quand on a demandé au Seigneur d'aller prier pour Lazare afin qu'il soit guéri, il a fait quoi? Il a dit, restons encore 2 jours. Ensuite, il va voir Lazare, mais il se trouve que Lazare était déjà enterré depuis 4 jours. Et Marthe a dit quoi? Quand le Seigneur a dit, ôtez la pierre. Seigneur, il sent déjà. Merci. Ça, c'est la deuxième étape. Avant d'épouser un homme, ma soeur, assure-toi que cet homme a connu la pourriture. Toute sa vision d'avant. Non, tu n'as pas compris. Oh, mais Pasteur Chora, Apôtre Chora, je l'aime. Ah bon? Vous savez, nous sommes tellement charnels que nous nous arrêtons trop sur le physique. Alors, il est beau, ah, il est beau, ah, il est beau, ah, il est beau. Celui-là, c'est à moi, celui-là, c'est à moi, celui-là, c'est à moi. Il vient à peine de se convertir, tu le sautes dessus. Tu le croques déjà. Ah! Ma soeur, tu es quoi? Vampire ou quoi? Comment là? Non, 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 personne. Alléluia! Premièrement, le mélange. Là, l'homme est complètement embrouillé. C'est-à-dire, il a perdu sa vision. Les épreuves sont telles qu'il est complètement mélangé. Ensuite, il va pourrir. Et Dieu laisse le frère pourrir. Tu vas jeûner, tu vas prier. Dieu laisse ta situation s'empirer. Et tu vas crier, jeûner, aller voir le frère Chora toi pour la prière. Rien à faire. Dieu te laisse dans cet état-là pendant, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu es en train de pourrir. Et quand tu pries comme ça, tout le monde t'abandonne. Hein? Tu es comme de la viande rance. Hein? Complètement rance. Et là, tout le monde. Tu vas quelque part, tout le monde. Dis à ton voisin, là, c'est bon. Là. Adam est en train de se former. La troisième étape, c'est le modelage. Hein? Le modelage. La mise en forme. Par la pression des doigts. Oh, j'aime cette parole. Alléluia. Y a-t-il un Adam quelque part ici? Le modelage par la pression des doigts. Avec les doigts, le potier va te modeler. C'est pour cela, dans Ésaïe, Dieu dit, est-ce que l'argile est-elle, n'est-ce pas? Est-ce que c'est à elle de dire, non, mais attends, mais le potier, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Non, ce n'est pas, c'est au potier de donner la forme à l'argile. Avant ta conversion, tu étais modelé par Tupac, ce rappeur américain. Avant ta conversion, tu étais modelé par le groupe, de rap, Public Enemy, Black Street, tout ça. TLC, je ne sais pas quel groupe, Koffi Olomide pour les Africains, Frankie Vincent pour les Antillais, tout ça là. Et Johnny, je ne sais pas quoi, Johnny, mais pour nous les Français. Alléluia. Eh bien, quand tu arrives en Christ, tu es complètement déformé. Et Jésus te prend, te mélange. Là, tu perds le nord. Il te laisse pourrir. Ensuite, il va te monter par la pression. Oh!
tu vas gémir. Là, c'est le marteau. Tu vas te marteler bien que bam, 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 bam. Aha. À chaque coup de marteau, c'est les cris qui partent. Ah! Et si quelqu'un est dans cette étape-là, il ne faut pas le sortir de là. Laisse Dieu finir son œuvre. Alléluia. Bah, aïe, 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 aïe. Bah, aïe, 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 aïe. Bah, aïe, 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 aïe. Et quand la forme est... Hein? Alléluia. Allons voir dans Jérémie 23. Est-ce que ça t'intéresse ce que Dieu dit? Quelqu'un peut le lire? Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? L'homme a un cœur dur, un cœur orgueilleux. Tu vois, non? Et il a besoin d'être brisé. Ma soeur, un conseil, s'il te plaît. Si tu n'es pas encore marié, vaut mieux se marier tard que se marier mal. D'accord? Donc, assure-toi que l'homme que tu aimes, que l'homme que tu veux épouser, a un cœur suffisamment brisé. Parce qu'en tant qu'homme, je sais, quand ça chauffe là-haut, l'homme a tendance souvent à aller voir ailleurs. Ah oui. Je ne dis pas que les femmes ne peuvent pas le faire, mais l'homme... L'homme est un chasseur, hein? Un vrai chasseur. C'est sa nature. Vous savez ce chose-là, là. Bien sûr. Ça, c'est la troisième étape, non? La quatrième étape. Le tournage. On va mettre maintenant l'argile en question. Une fois que la forme, comment? On met l'argile sur un tour. Alors là, la frère. Ouh là, c'est le vertige, le tournis là. On va tourner. Tu fais du surplace. Tu vois, tu auras l'impression que ta vie n'avance pas. Oh, mais depuis que je suis converti, rien n'avance. Alors que je crains Dieu. Quelle est cette impression là? Ah, Nicolas, tu es en train de tourner là. Le Seigneur est en train de te tourner là. Da, da, da. Bien comme il faut là. Alléluia! La cinquième étape. À ton avis, c'est quoi? Hein? La cuisson. On met le vase dans un four à près de 1115 degrés. Dis à ton voisin le feu. Aïe! Le feu. Et là, ce sont les épreuves par lesquelles Dieu va te faire passer, mon frère. Parce qu'il doit rendre ton caractère dur. Il veut te rendre capable de gérer un foyer. Il veut te sortir, n'est-ce pas, de l'enfance. Parce qu'il y a des hommes, vous savez, les femmes sont beaucoup plus matures que les hommes en général. Un homme qui a 22 ans, excusez-moi, je ne dis pas que tous les hommes de 22 ans sont puérils. Hein. Mais je vous assure, un homme peut avoir 30 ans et rester un gamin dans sa tête. Vous avez vu les hommes qui veulent se marier alors qu'ils sont encore chez papa et maman? Dis à ton voisin, il y a un problème. Là. Il y a un problème avec la cuisson. Ah. Alléluia. 25 ans, maman, j'ai besoin du lait. Maman, tétine. 30 ans chez papa, maman. Dis à ton voisin, il y a un problème. Dis à ta voisine, n'épouse pas un tel homme. L'homme
quittera son père et s'attachera. Et les deux deviendront. Mais un homme qui n'a pas encore quitté maman. Qui n'a pas encore quitté papa. Il n'a pas encore quitté son père ni sa mère. Sur le plan de l'éducation. Sur le plan frère financier. Ça va être la catastrophe. Même les oiseaux nous enseignent. Un oiseau, pour se mettre en couple, tout ça, là, il va déjà préparer son nid. Alléluia! Parce qu'il est hors de question d'amener, de ramener les œufs chez papa oiseau, maman oiseau. Non! On peut acclamer le Seigneur. Et Dieu nous parle, hein? Et Dieu nous parle. Vous savez pourquoi beaucoup de parents ne veulent pas que leur jeune garçon, leur fils, soit en relation avec des femmes? Parce qu'ils se disent, mais ils ne sont pas encore matures. Tu as 25 ans, mais tu es toujours en train de dormir, de pioncer. Il faut que papa te dise, attends, lève-toi, va chercher du boulot. Il y a même des hommes qui, à cause de ce comportement, sont obligés de mettre des cadenas sur leur frigo pour ne pas que leur fils aille toujours prendre du yaourt parce qu'ils ne veulent pas travailler. Frère, tu as besoin du feu. Tiens ton voisin, le feu. Il faut que l'ordre revienne, frère. Ne viens pas voir le frère Chora aujourd'hui si tu n'as pas encore un toit. Il faut commencer par le commencement. Après, vous aurez les questions pendant 10 minutes. Vous aurez le temps de poser des questions pendant 10 minutes. L'homme quittera son père et sa mère. Le feu. Alors le feu, là. Ha. Ton homme est en train de... Son caractère se solidifie bien comme il faut. Le feu. C'est le verbe yatsar, le feu. Ce que je vous dis là, c'est tout ce que ce verbe signifie, veut dire. C'est le potier. Et c'est comme ça que Dieu a formé Adam. C'est merveilleux, hein, frère. Donc la cinquième étape, c'est le feu. Et c'est, posez-moi la question, pendant combien de temps à peu près? La cuisson dure-t-elle? 8 heures. 8 heures au moins. Et ensuite, la dernière étape, quand on sort le vase du feu, du four, alors là, frère, c'est quoi à votre avis? La décoration. La peinture. Ah ah! Vous vous rendez compte? C'est-à-dire l'aspect extérieur vient à la dernière position. Et nous voulons tout de suite nous attacher à l'aspect extérieur. Mais Dieu travaille d'abord l'intérieur. Pendant des années. Est-ce que ça te parle ce soir? Qui commence à réaliser qu'il ne pouvait pas s'engager, qu'il a fallu s'engager n'importe comment? Qui réalise cela ce soir? Ah oui? La formation de l'homme. La décoration. Et là, quand on présente l'objet en question, ce vase, oh, quelle décoration! Quelle couleur! Et on peut mettre de l'eau dedans. Toutes sortes de liquides, de boissons. Mais si cet objet, ce vase, te dit par où il est passé, tu vas crier. Et cet homme que Dieu va former aura des principes directeurs qui vont lui permettre
de bâtir un foyer solide. C'est-à-dire, il va être un père selon Dieu. Parce que c'est le but de cette formation, c'est de lui inculquer la vision du père. Or, un père doit prendre du temps, accorder du temps à ses enfants pour les écouter. Or, beaucoup de chrétiens, même beaucoup de pasteurs, ne veulent pas dialoguer avec leurs enfants. Le seul dialogue qu'ils ont avec eux, c'est le cri. Vous savez, parfois les enfants, ils ont des choses à dire, mais ils n'osent pas parler à leurs parents parce qu'il n'y a pas de dialogue. Vous savez aussi pourquoi beaucoup d'enfants échouent dans leurs études? Parce que les parents leur donnent tout le temps des choses à faire. Ils n'ont pas le temps pour pouvoir étudier, se retrouver seuls afin d'apprendre, d'étudier, de faire des recherches. Il y a très peu de parents qui dialoguent avec leurs enfants. Très peu de parents chrétiens. Et c'est pour cela qu'il y a autant d'échecs. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le dialogue. Vous savez, l'autorité d'un père ne s'exerce pas forcément nécessairement par la force, par le cri. C'est dans la douceur, c'est en écoutant l'enfant. On va connaître ses besoins, ses peurs, ses motivations. On va mieux l'aider plutôt que de venir et de dire « Tais-toi, fais telle chose, va là-bas, viens ici ». C'est pas ça, être parent. C'est pour cela que les hommes, les femmes qui veulent véritablement servir le Seigneur doivent être bien préparés par le Seigneur, par le Maître. Assure-toi, ma soeur, s'il te plaît, que ce frère pour lequel tu as des sentiments est bien travaillé par le Seigneur. Prie, Dieu te le montrera. Parle avec lui et tu connaîtras le fond de son cœur. Car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a beaucoup de couples qui n'ont pas marché parce que tout simplement l'homme n'était pas capable de quitter son père et sa mère pour être avec sa femme. Et inversement. Mes frères, écoutez bien. Beaucoup veulent le ministère. Il y a beaucoup de copies de Chora ici et là. Beaucoup de copies de Chora. Des véritables sosies. Mais ils commencent à en avoir de moins en moins. Merci Seigneur. Beaucoup veulent copier mon ministère comme public. Mais ils ne connaissent pas ma vie privée. C'est ça l'erreur. Frère, quand j'ai du temps avec mes enfants, il ne faut pas m'appeler. Hein. Ah non? Parce que chaque chose, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Les enfants apprennent en voyant les parents vivre les choses. Ce n'est pas forcément de manière didactique, en parlant aux enfants, faites ceci, faites cela. Mais quand ils t'observent, ils voient comment tu pries, comment tu jeûnes, comment tu respectes leur petite personne, ta femme, ton mari. Et c'est comme ça que les enfants vont apprendre. Et un homme que Dieu a travaillé, un homme qui est à l'image du Seigneur, quelles que soient les épreuves, ne peut même pas envisager le divorce. Parce qu'il sait que le divorce va briser les cœurs de ses enfants. Parce qu'il y a des principes. Parce qu'il sait que le divorce ne plaît pas au Seigneur. Le premier ministère que Dieu t'a donné, mon frère, c'est ton foyer. Alors, il ne faut plus venir vouloir nous démontrer la connaissance des versets bibliques, tout ça. Oh non, j'ai de l'onction, je prêchais, les gens sont tombés par terre. Ce n'est pas ça le ministère. Satan aussi fait tomber les gens par terre. D'accord ?
Et parfois, il faut arrêter de raconter les songes que tu as à gauche, à droite. Vis la parole. Respecte ta femme, respecte ton mari, respecte l'enfant que Dieu t'a donné. Prends le temps pour t'occuper de ton foyer. Prends le temps de trouver du travail. Travaille, vis ta vie avec ta femme. Et comme la parole dit, beaucoup de gens veulent démontrer. Non, je suis ancien, je suis pasteur, je suis dirigeant d'église. Je veux démontrer que j'ai l'onction. Maintenant, l'onction se manifeste, les délivrances s'opèrent. Mes amis, ceux-là qui ont manifesté l'onction hier et qui n'ont pas voulu écouter les conseils, aujourd'hui, ils sont où? Mais le chemin, la route continue. Hein? Le train continue. Ah oui. C'est l'erreur que beaucoup de gens font. Parce que le ministère est devenu tellement important qu'ils négligent leur foyer. Ils vont plus visiter les âmes ici, dans les hôpitaux, à gauche. C'est bien. Mais ils ne visitent pas leur famille. Ta femme, est-ce que tu prends le temps de parler avec, de discuter, ton mari, tes enfants? Non. Tu veux exercer quel ministère? Et demain, si le foyer est cassé, on va dire que c'est à cause de l'église. Vous savez, un des principes de secte, c'est quoi? C'est de mettre en place un système de travail donc, qui te poussera à l'activisme. Au point où tu n'auras plus le temps de voir ta famille, de voir ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents. Parce que lundi, tu as l'assemblée, mardi à l'assemblée, mercredi à l'assemblée, jeudi à l'assemblée, vendredi à l'assemblée, samedi à l'assemblée, dimanche à l'assemblée. Maintenant, dis-moi, quand auras-tu le temps de t'occuper de tes enfants? On te donne une prophétie, t'as tout de suite, ah, je suis prophétesse. Mais c'est pas tout de suite, frère, ma soeur. C'est du temps, il y a un temps. J'aimerais que tu viennes me voir pour me dire, frère Chora, voilà les enfants que Dieu m'a donnés. Celui-ci parle en langue. Celui-là, celle-là, elle craint Dieu. Voilà, ça c'est. Montre-moi les fruits. Nous allons montrer au Seigneur les fruits. Et les premiers fruits, si nous avons des enfants, ce sont nos enfants. Vous savez, quand le Seigneur va revenir, nous qui sommes les dirigeants, les anciens, là, il va d'abord nous poser des questions par rapport à nos familles. Je t'avais confié une femme, un homme, avec deux, trois, quatre enfants. Qu'as-tu fait de tes enfants? Oui, mais Seigneur, j'ai gagné beaucoup d'âmes. Oui, c'est bien. Mais ces âmes-là étaient à l'extérieur, étaient extérieures à ta famille. Maintenant, montre-moi l'éducation que tu as donnée, inculquée à tes enfants. Où sont tes enfants? Mon frère, pasteur, est-ce que tu prends le temps d'amener tes enfants dans un parc pour te promener? Hein? Acheter de la glace pour manger avec? Est-ce que tu prends le temps d'aller jouer du foot? Faire du foot avec tes enfants, du basket? Ou est-ce que tu estimes que non? Il y a tellement de démons à chasser. Hein? Alléluia! Amen. Il fait beau. Tu peux prendre ton fils. Parce que ton fils sera à ton image. Ah oui, tu peux le prendre comme ton fils, ton ami. Vous partez quelque part, vous promenez, mets ton manteau de bishop sur le cintre dans ta chambre, mets ton manteau de prophète apôtre quelque part, prends ta fille, allez dehors, parce que ta fille a besoin d'avoir une bonne image de l'homme. Et c'est toi qui vas lui inculquer cela. Mais non, quand elle vient te voir, te parler, papa, toujours au téléphone. Non, mais écoute, je suis occupé. Les âmes. À 23h, le téléphone sonne, les âmes. À minuit, le téléphone sonne, les âmes. À 1h du matin, le téléphone sonne, les âmes. Toujours les âmes. Sur Skype, les âmes. Sur MSN, les âmes. Sur Facebook, les âmes. Mais mon ami, pasteur, prophète, apôtre, prédicateur, missionnaire, apôtre par excellence. Ta femme à la maison n'a pas besoin d'un pasteur. Elle a déjà un pasteur qui s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. Amen. N'adopte pas un langage pastoral à la maison avec ta femme. Ta femme ne va pas épouser les versets bibliques. Quand ta femme t'a épousé, tu n'étais pas pasteur. Hein?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, je vois que ça vous choque. Ce que je dis. Alléluia. Il y a des hommes qui ont tellement de versets par cœur, dans le cœur, qu'ils ne connaissent pas le verset qui dit qu'on peut offrir des fleurs à sa femme. Ça va les frères? Vous allez bien? Vous êtes toujours présents? Vous n'allez pas vous sauver. Hein? Les jeunes frères, écoutez bien. Écoutez bien. Ça, c'est un jeune frère de 22 ans qui va voir une sœur. Ah! Dieu m'a dit, c'est toi ma femme. Aucune manière. On va finir dans quelques minutes, ne vous inquiétez pas. Nous bénissons le Seigneur pour ceux et celles qui nous suivent chez eux. Frère, chrétien, un frère sort de la salle, il ouvre la porte, il y a une sœur derrière elle, derrière lui, pardon. Une sœur le suit derrière. Le frère voit bien la sœur derrière. Mais il laisse la porte se refermer toute seule. Et la sœur se la prend en plein visage. Pas aucune galanterie. Parce que sa tête est remplie de versets. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, j'aimerais voir les sœurs qui ont déjà constaté cela. Non, je n'ai pas vu vos mains. Vous voyez, non frère, je ne parle pas en vain. Ouvrir une porte pour qu'une femme sorte. On va donner des formations, une formation sur le comportement de l'homme selon la Bible. Tu aimes une femme. Tu viens à peine de l'épouser ou tu vas l'épouser bientôt. Mais tu es véhiculé. Mais tu peux ouvrir la porte, hein, la portière à ta femme. Dis à ton voisin, ce n'est pas anti-biblique. Alléluia! L'homme marche devant, la femme est 500 mètres derrière. Mais dépêche-toi, Oscar. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? L'homme est le chef de la femme. Le chef. Je veux voir les frères qui ont des projets de mariage ici. Levez les mains un peu. Les frères qui ont des projets de mariage. Il n'y en a pas beaucoup, hein, parce qu'il y a un problème ici chez nous. Hein. Ok. Est-ce que Dieu vous parle-t-il ce soir? Le frère ouvre la porte, la femme le suit derrière une sœur comme ça, et puis tap! Moi j'ai déjà vu cela. Je lui dis, mais c'est pas possible, ces jeunes gens n'ont rien compris. Ils n'ont que ministère dans leur bouche. Apôtre, Dieu m'a parlé de mon ministère. Ah, Dieu m'a montré genre, que dans une vision, je me suis vu en train d'organiser de grandes réunions de miracles dans un stade. C'est bien. Bon. Qui veut être formé par Dieu? Qui se rend compte qu'il a besoin de la formation véritablement? Ah ah.
Merci pour votre humilité. Marie, aimez vos comme Christ. Et c'est donné lui-même pour elle afin de la. C'est l'homme qui sanctifie sa femme. Et on sanctifie par la parole. Qu'il la lave avec la parole. Marie, aimez vos femmes. C'est-à-dire qu'un homme, selon Dieu, peut mourir pour sa femme. Alléluia! Non, je n'ai pas entendu, frère. Femme, que chacune soit à son. Est-ce que la soumission, c'est l'esclavage? Non. La soumission est la conséquence de l'amour que l'homme donne à la femme. Une femme aimée, une femme encouragée, une femme écoutée est une femme soumise. Et la soumission de la Bible, selon Éphésiens 5, 21, la soumission est mutuelle, bilatérale. Soumettez-vous les uns les autres. Si la femme n'est pas prête pour avoir des enfants, toi, homme, tu ne dois pas le lui imposer. Non. Il faut qu'il y ait un accord. Si la femme donne naissance à un enfant, tu n'es pas obligé en tant qu'homme de lui imposer le nom de cet enfant-là. Trouver un compromis à la prière. Non, moi, c'est le chef. Dieu m'a dit qu'il s'appellera Jacques. La femme dit, non, moi, Dieu m'a dit, c'est Pierre. Alors, il y a un problème, le frère. Bon, Pierre et Jacques. Alléluia! Bon, Dieu est bon. Nous sommes délivrés ce soir, n'est-ce pas? C'est beau la famille. C'est beau la famille. Je veux voir tous les jeunes mariés sont de leur femme. Je veux de plus en plus vous observer. Même si vous êtes autonome, je veux regarder. Si tu viens me voir pour me dire j'ai à cœur de partir en mission, je veux d'abord poser la question à ta femme. Fini les missions d'avant là. Fini. Non. Il y a des églises d'où vous êtes sortis là. Vous n'avez jamais été en mission. Hein? Même partir en Belgique à côté là pour prêcher, jamais. Et ici, avec toutes les missions, les gens, c'est la fête. Maintenant, avec l'autonomie là, les choses se règlent. Hein? Non, frère, c'est fini. Les nouveaux, vous qui venez de vous marier là, prends ta femme main dans la main. Quand vous êtes à l'assemblée, assis-toi à côté de ton épouse, ce n'est pas un péché. Si les jaloux te disent non, toi aussi, séparez-vous. Non, ça commence comme ça. Sois à côté. Alléluia. L'homme qui traite son père et sa mère est. Montre aux gens que tu es heureux, que tu es heureuse. Oui, sois fier. Ah, ceux et celles qui ont du mal à se marier, mettez-vous debout. Ceux qui se disent, non, moi, je n'arrive pas à me marier. Je veux me marier, mais je n'arrive pas. N'ayez pas honte, mettez-vous debout. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons des princesses et des princes, des rois. Le mariage, c'est pour nous. C'est une affaire des chrétiens. Et je prie que Dieu que je sers vous bénisse dans ce domaine. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et laissez davantage le Seigneur vous façonner en profondeur. Je vous assure qu'il va bientôt vous surprendre. Soyez bénis au nom de Jésus. Une question ?
prie. Est-ce que Dieu... Chacun un mari, une femme, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur terre. Oui. Chaque femme a son mari. C'est après le problème. Voilà. Donc, et si une femme mariée perd son mari, elle peut se remarier. Donc là, Dieu va lui trouver quelqu'un d'autre. Ça, il n'y a pas de problème. Pour le Seigneur, il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord? Donc, t'inquiète pas, tu... Il y a quelqu'un qui est prévu pour toi. Ouais. Moi, j'avais une question au sujet des jeunes femmes, par exemple, dans des pays africains, arabes, qu'on marie avec des hommes, les familles choisissent les maris. Comment ça se passe, en fait, si on nous a mariés, qu'on était jeunes, ou si nos parents nous ont choisi un mari pour des raisons, parce que, voilà, c'est une bonne famille, mais ce n'est pas le mari, en fait, d'une qu'on voulait, ou ce n'est peut-être pas le mari que Dieu a choisi pour nous. Comment ça se passe dans ces cas-là? Bah, une fois que tu es marié, tu es marié. Oui, mais si c'est pas celui, si on sait pertinemment que c'est pas celui qu'on devait épouser. D'accord, mais une fois qu'on a contracté l'alliance, c'est fini. Même si c'est nos parents qui l'ont fait pour nous? Oui, c'est clair, c'est une alliance que Dieu respecte. C'est pour cela qu'avant de s'y engager, il faut réfléchir. Oui, mais... Pardon? Jennifer, oui. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, avec la parole que tu comprends... Si ta famille, tes parents choisissent pour toi un homme, non, là c'est clair. À moins que Dieu ne te dise c'est bon. Mais sinon, si quelqu'un s'est marié parce que les parents l'ont poussé à ce mariage, à le faire, une fois que l'alliance est contractée, voilà. Et c'est pour cela qu'il faut bien réfléchir. Parce que dans Malachie 2, Dieu dit qu'il est la répudiation. N'est-ce pas? Une autre question? Que le Seigneur soit béni. Oui, Olivier. On va te donner le micro. Oui, tout à l'heure tu disais qu'il faut pas imposer, l'homme ne doit pas imposer les choix à sa femme. Mais dans le couple, on est deux. Au bout d'un moment, il faut trancher. Ça veut dire que c'est ou le choix de la femme ou le choix de l'homme. Est-ce que ce n'est pas la femme, quelque part, qui impose maintenant ses choix au mari? Non. Le mariage est une collaboration. Et tu ne peux pas imposer, si tu aimes ta femme, lui imposer des choix, des choses telles que le nom ou les noms des enfants, l'achat d'une maison. Et, tu ne peux pas lui imposer ta vision. Parce qu'elle ne va pas être heureuse. Et inversement, elle ne peut pas, la femme ne peut pas t'imposer sa vision des choses parce que tu ne seras pas heureux. Donc il faut qu'il y ait un compromis à chaque fois, basé sur la parole. Et quand vous, comme la parole le dit, s'il y a des divergences, allez devant Dieu. Et priez, Dieu vous éclairera. N'est-ce pas? Voilà. Et puis très honnêtement, il y a des choix qui ne doivent pas nous créer des conflits. Parce que ce n'est pas parce que tu es homme qu'il faut à tout prix dire ton mot sur toutes les décisions que la femme peut proposer, tous les choix que la femme peut proposer, tels que le port d'un nom, des noms des enfants, tout ça. Là. On peut dire que c'est bien, pas de problème. C'est ça l'amour. L'amour, c'est accepter aussi que l'autre soit heureux en l'encourageant dans ses choix qui ne vont pas forcément à l'encontre de la volonté de Dieu. Oui. Est-ce que le fait d'être fiancé veut déjà dire que, selon Dieu... Peut-on rompre les fiançailles? Ouais. Non. Oui. Les fiançailles sont déjà le mariage presque. Sauf qu'il n'y a pas de rapport. Voilà, on attend les noces. Mais sinon, on ne peut pas rompre les fiançailles s'il n'y a pas le décès de l'un des conjoints ou l'infidélité sexuelle prouvé. Parce que quand Joseph a voulu rompre avec Marie, l'ange lui a dit, ne romps, prends ta femme. Donc Marie était déjà considérée comme la femme de Joseph, alors qu'ils étaient simplement fiancés. Voilà. Donc ça veut dire qu'aux yeux des hommes,
Lorsqu'on fait des fiançailles, on est fiancé tout court. C'est qu'on n'est pas encore marié, mais aux yeux de Dieu. Bien sûr. Lorsqu'on est fiancé, on est marié. Parce qu'en hébreu, le mot fiancé, fiançailles signifie consacré. Nous sommes présentement fiancés à Christ. 2 Corinthiens 11 nous dit que nous sommes fiancés à Christ. Et le Seigneur ne divorce pas d'avec nous. Tu vois, non? C'est pour cela qu'il ne faut pas rentrer les fiançailles n'importe comment. Il faut réfléchir. Vous savez, il faut prendre du temps avant de s'engager dans les fiançailles. Vous pouvez prendre 1 an, 2 ans. Comment savoir qu'une personne t'est destinée, notamment à une femme? Comment peut-elle savoir qu'un homme sera son époux? Ce n'est pas tout en allant dans les fiançailles. Parce que très souvent, on a tendance à aller rapidement dans les fiançailles parce qu'on veut que tout le monde... On ne veut pas être dans l'hypocrisie. Hein, dans l'hypocrisie, on veut que tout le monde sache. Mais vous pouvez simplement dire aux frères et sœurs, voilà, nous avons des projets, priez pour nous. Et on a besoin de se côtoyer pour se connaître. Tu ne peux pas fiancer quelqu'un que tu ne connais pas. Et tu ne peux pas connaître quelqu'un si tu ne le côtoies pas. Est-ce un péché pour que 2 personnes adultes qui craignent Dieu d'aller manger dans un restaurant afin de se connaître? Non. D'accord? Waouh, ce soir là, c'est... Ça vous est clair, hein, j'espère. Oui? J'ai juste une question à vous poser concernant le divorce. Je sais que la Bible dit que le divorce, c'est pas quelque chose de bien. Mais quand vous vivez avec un homme qui vous maltraite, un homme qui vous fait tout pour le ramener vers le Seigneur, qui vous trompe par des maîtresses par-ci par-là, qui ne prend pas soin de vous et qui ne prend pas soin de ses enfants, dans ce cas-là, et est-ce que le divorce est approuvé par Dieu ou pas? Ben, d'abord, si déjà à la base, Dieu, de manière dans l'absolu, Dieu est contre le divorce, même chez les païens. D'accord? Maintenant, si une femme est tabassée et battue par son époux, on ne va pas lui demander de rester dans le domicile familial parce qu'elle peut en mourir. Donc là, il peut y avoir une séparation physique. 1 Corinthiens 7 en parle. Hein, donc s'il y a des problèmes, on peut se séparer pour un temps. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut aller divorcer. Voilà. Seule l'infidélité sexuelle peut, n'est-ce pas, justifier un divorce. Et encore, il faut appliquer Matthieu 18:15. Donc il y a une démarche à suivre. C'est-à-dire, il faut d'abord essayer de gagner la personne au Seigneur. Hein, combien de temps cela peut-il durer? Dieu seul le sait. Ensuite, si la personne continue le péché, il faut prendre des témoins. Voilà. Après, si les preuves sont avérées, si les preuves sont vraies, si... Voilà. Et que la personne refuse de changer, maintenant, il ne faudrait pas que ce soit toi, la victime, qui réclame le divorce. Il faut prier pour que ce soit, dans ce cas-là, que ça vienne de la personne qui te trompe. Mais encore, il ne faut pas prier pour le divorce, il faut prier pour que le Seigneur change son cœur. Je voudrais juste finir. Ok, on va revenir sur toi. Il y a des souffrances que vous pouvez même pas supporter. Uh-huh. Et surtout à Kinshasa. À Kinshasa où toute la famille est là. La belle-mère est là. Les beaux frères qui viennent du village, ils sont là. Et vous êtes... Non, je m'en vais. Alléluia. Je crois qu'on aura un autre enseignement là-dessus. Hein. Ok, maintenant, est-ce que Dieu peut-il changer un homme ou pas? Dieu peut le changer. Ça, j'en suis convaincu, ma soeur. Si, moi j'ai vu des gens à Kinshasa changer. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Et Dieu, vous savez, ma soeur, ici, le mariage n'est pas aussi mieux, aussi bien qu'on le pense par rapport à l'Afrique. Ici, il y a même, on peut divorcer en un mois ici maintenant. Ah oui? Ici, comme vous le savez, c'est pas dans tous les pays européens, mais dans certains pays européens, si la femme, par exemple en Suède,
ou en Londres, en Angleterre. Mais la femme, c'est elle qui gère. La femme peut appeler la police et puis te mettre dehors. Complètement. C'est incroyable le pouvoir que la femme a. Maintenant, il faut savoir, dans un couple où il y a des problèmes, il faut d'abord rechercher la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut? Parce que imagine-toi, si ton mari qui est dans l'adultère, juste un exemple, qui est dans l'adultère, qui est méchant avec toi, si par tes prières, Dieu arrive à le changer, mais c'est une âme que tu sauves. Imagine ta couronne au ciel. Maintenant, si vraiment l'homme de lui-même dit, moi, je ne veux plus, je suis avec une autre femme, les preuves sont là, tu ne m'intéresses pas. Si l'homme fait sa vie, vit sa vie, Dieu, dans ce cas-là, comme la parole le dit, peut te demander de passer à autre chose. Ouais, dans ce sens-là, la parole le dit. Mais il y a des personnes à qui Dieu a dit clairement, il ne faut pas divorcer malgré tout ce que l'homme a fait ou la femme a fait, parce que Dieu voulait changer, Dieu voulait se glorifier. Voilà, mais il ne faut pas faire de ce cas une doctrine qu'on va imposer à tout le monde, c'est vrai. Mais il faut d'abord chercher la volonté du Seigneur. Je pense que c'est bon, j'ai la réponse. Que Dieu soit béni. Alléluia. Ok, on va chanter un cantique à la gloire du Seigneur. Dieu est bon.